Hey, salut à tous, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, j'ai mis mon petit Bob pour faire ce petit retour de course. On revient juste des courses de Leclerc avec Elodie. Donc déjà, j'espère que vous allez bien. Encore merci pour tous vos messages et tous vos retours. Vous savez bien que ça me touche et que je vous le dis à chaque fois, mais je vous remercie encore. Donc aujourd'hui, comme vous savez, qu'on se retrouve pour le retour de course Leclerc de la semaine. On en a eu pour 115 euros, je crois. 115 euros. On a eu pour 115 euros, donc c'est parti, on commence maintenant. Alors déjà pour commencer, vu que je reviens d'Espagne et que j'ai envie d'y repartir, tu vois, j'ai pris ça, les petites madeleines espagnoles. En fait, je crois que l'Espagne maintenant elle me pourchasse, tu vois. Là, j'y suis revenu hier et là aujourd'hui à Leclerc, il y avait toute une sélection espagnole, tu vois. Bref, donc du coup on a pris ça avec Elodie parce qu'on aime bien. Vous savez, c'est des grosses madeleines, il y en a un kilo dedans. Bon, on va être bien grasse avec ça. C'est aux œufs frais et sans huile de palme. J'ai pris une tarte de pomme. On a pris une tarte aux pommes comme ça de la marque Leclerc. Bah, de la marque Leclerc. C'est leur tarte aux pommes quoi. J'aurais pu la faire moi-même, mais je vous avoue qu'aujourd'hui j'avais la flemme et j'avais envie de ça. Donc du coup, bah, je l'ai acheté. Là, il y avait moins 20% dessus. 2,80€ comme ça. J'adore trop la tarte aux pommes. Je crois que tout le monde aime la tarte aux pommes, mais c'est tellement bon avec de la compote et tout. Bref, j'espère qu'elle sera bonne celle-ci. La mienne est meilleure, toujours, c'est normal, mais pour ce soir, c'est cool. J'ai pris du beurre comme ça parce que je vais faire des cookies, donc il me fallait du beurre. J'ai repris un petit fouet catalan, ça on aime bien faire à l'apéro avec Elodice Paradise. Une petite baguette, tout simple, ça c'est pour mon repas de ce soir. Alors là, il y avait une promo vachement intéressante sur des cafés. Je sais que vous m'avez dit qu'il y a le site Max, je sais pas quoi, pour les capsules à café. Moi, je vous avoue, en fait, j'ai un abonnement avec Nespresso, donc du coup, je commande pas trop à côté. Mais là, comme il nous fallait beaucoup de café et qu'il y avait une promo super intéressante à Leclerc, on a pris ça, carte noire comme ça. Je crois que c'était 7 euros les deux, donc il y a 60 capsules, donc ça fait vraiment pas cher. Parce qu'on sait que un paquet de 10, ça vaut entre 2 et 3,50€, donc là, ça vaut le coup. Et le Dice, pas le Dice, a voulu nous prendre ça. Alors, la chance que j'ai trouvé un petit bon de réduction, ça, on l'aurait pas pris. C'est les San Pellegrino comme ça, parce qu'elle va me faire goûter, parce que moi, je connais pas. Mais parce qu'en fait, c'est tellement cher que j'ai jamais voulu en acheter. C'est 3,50€. Attends, c'est super cher. Bon, tu me diras, aussi cher que du coca, mais bon. Donc, c'est les San Pellegrino Momenti. Bon, elle a pris blueberry, parce qu'elle nous fatigue avec sa blueberry en ce moment, elle n'en peut plus. Elle adore manger des blueberries. C'est un jus de grenade à base concentrée et jus de cassis à base de concentré. Saveur grenade et cassis. Voilà, c'est logique. Voilà, donc faible en calories, tatati tatata. Je vous en dirai des nouvelles. Pour rester dans les canettes, comme toujours, le pack de 12. Bon, il n'y avait pas de pack de 20, donc on a pris pack de 12 canettes de coca. Attention, on passe aux légumes là. Bref, alors bon, comme vous aurez compris, si vous nous suivez un petit peu, on essaye de manger un peu mieux parce que là, tu vois, il commence à faire chaud, on va montrer nos bodies à la plage, tout ça, donc on veut, tu vois, bref, vous avez compris, on veut manger léger. Donc on a pris des petites cerises comme ça, la marque Saveol, j'aime bien leur packaging, c'est très sympa, au moins il n'y a pas de plastique utilisé. Cerises gustatives, la référence de l'apéro cultivé sans pesticides, ça c'est pour faire des petits plats parce qu'on les mange pas comme ça, nous on n'est pas des gueudins, tu vois. J'ai pris de la salade comme ça parce qu'il y a que ça que j'aime en salade, les mélanges de jeunes pousses. Ça c'est que j'aime bien, ça passe bien avec des petits du fromage, nuggets. Tu vois, t'agrémentes un peu de gras, tu vois, parce que ça, manger de l'herbe, c'est pas du tout mon délire. Mais il faut manger léger, tu vois. J'ai pris des bananes qui y voient rien parce qu'elles viennent de Côte d'Ivoire. Des bananes ivoiriennes. Il y en a 4 dedans, comme ça je vais me faire un petit smoothie. J'ai mon blender de chez Action que j'ai retrouvé, donc faudrait peut-être que je m'y mette, tu vois. Elle s'est pris des petits rasoirs pour s'épiler ses petites jambes. Comme ça, de la marque Marc Aubert. On a voulu essayer. Elle dira si c'est bien, si c'est pas bien, on ira lui en racheter de la marque. Mais comme là, ils avaient l'air pas dégueu. Et bande de lubrifiante à l'extrait d'aloe vera. Pour sensible, ça devrait aller, je pense. Elle essaiera, on verra. Alors, j'ai pris des étiquettes. Parce qu'en fait, j'avais acheté des étiquettes la dernière fois à Action. Mais je les retrouve pas. Ça fait une semaine. Et ça fait 3 semaines qu'on a emménagé ici. Bientôt un mois. Déjà. Bientôt à moi et on a toujours pas notre nom sur la boîte à lettres, donc autant te dire qu'il serait peut-être temps de le mettre. On a repris du lambrusco, franchement si vous avez toujours pas essayé, foncez-y parce que franchement c'est tellement bon. C'est pas cher, ça vaut 2,80€ la bouteille. Donc petit vin pétillant mais très finement blanc, franchement ça fait tellement bon, je vous conseille. Alors j'ai repris mes cookies de la marque Wild Curse, alors il y avait plus de caramel. Wild Curse. Il y avait plus de caramel, machin et tout, il y avait que ces goûts là, donc je dis je pouvais prendre, j'aime bien quand même. 3 chocolats comme ça, blanc, noir et au lait, donc à tester. On a pris ça en ce moment, c'est notre nouvelle lubie, nous on est très fruits, t'as remarqué. Les crémas fruits rouges comme ça, ça c'est trop bien, franchement c'est une bonne idée. En fait ils ont différencié les fruits rouges et les fruits jaunes. Alors elle le dit tout à l'heure, elle était devant le magasin de regarder en train les fruits jaunes, elle dit mais qui mange ça. Moi je mange que les rouges. Bref, donc du coup tu vois ce qui est bien, c'est que quand t'as des gens comme nous un peu chiants, bah ça c'est top. J'ai pris mes petits acras de morue. Alors à Leclerc ils sont pas très chers, mais il y en a que 12 dedans et ils sont super bons parce que chez Céline je sais que je les avais déjà goûtés. Si vous aimez la sauce au creux douce, il y en a une qui est dedans aussi.
Hop, comme ça. Donc là, c'est la marque du monde, 12 à crème de rue. Ça, c'est pour faire avec le quinoa parfumé. C'est tellement bon, j'adore, c'est léger. Je pense que je vais manger ça ce soir. J'ai pris des faux candy-ups comme ça, de la marque Leclerc. Bon, maintenant, du coup, vous avez compris qu'il n'y a plus de paille. Donc, ben, je prends ça et puis je me tais. En charcuterie, on a pris 6 tranches de jambon, comme ça. Alors, comme j'ai plus mes sandwichs à faire parce que j'ai arrêté l'intérim, tu vois, qu'est-ce que je revis. On a pris ça pour les croque-monsieur, parce que par exemple hier j'ai mangé des croque-monsieur, j'en ai mangé 4 et il n'y avait plus de jambon, tu vois. Donc je me suis dit, au cas où je veux refaire des croque-monsieur. Et de toute façon, le jambon c'est toujours mangé. Moi j'aime bien faire des fois, quand j'ai pas très faim, des pâtes avec du jambon ou en gros ma viande c'est le jambon, tu vois, avec de la mayonnaise, et je fais à côté un truc. J'ai pris du jambon cru comme ça parce que j'ai pris un camembert rôti au cas où, et de toute façon ça c'est mangé aussi. Alors on a repris ça parce que la Miss Tinguette hier elle était partie faire 2-3 courses, mais vraiment 2-3 courses, elle avait acheté ça à Leclerc, des petits, en fait on dirait des petits yops, mais en fait non, ça, c'est des petits Actimel. Et je kiffe trop Actimel, c'est tellement cher en plus, ça coûte 3 euros les douches, c'est hyper cher. Ça, ça coûte grave moins cher, donc du coup on en a pris deux, on a pris framboise et fraise. Moi j'ai voulu prendre fraise parce que ça coûtait moins cher, mais comme Elodas Pereda c'est une diva queen également, elle a pris framboise. Ça coûte 40 centimes plus cher, mais c'est pas grave. Voilà, ça c'est trop bon, j'ai tout mangé les 8 en une soirée hier soir. J'en ai même pas eu un. Ouais. On a repris des dés de jambon à déguster chaud ou froid pour faire les salades de pâtes. Franchement, on avait grave kiffé la dernière fois, donc on a repris. On a pris également des aiguillettes de poulet rôti, comme ça. Ça aussi, c'est pour les salades de repas ou autres. Ça, je les avais mangées dans de la... avec de l'ébile la dernière fois, ce qui est bien passé. On a repris un petit camembert pays. Franchement, celui-là, il est trop bon pour le camembert rôti parce qu'il est typé un peu. Il est déjà un peu fondant. Franchement, il est top, je vous le conseille. En promotion, là, j'ai fait le stock de Pago ACE. Donc, en fait, il y avait 2 plus 1 gratuite. Donc, du coup, j'ai pris Red ACE. Donc, avec de l'orange sanguine. J'ai pris le ACE basique orange carotte citron. Ça, j'aime bien. Franchement, ça passe bien le matin. Et j'ai pris le pink ACE avec du pamplemousse. Là, j'ai jamais testé, donc je goûterai. À la reprise pour essuyer sa petite zone intime des lingettes à l'eau. Mot d'enfant, visage, corps, siège. Ouais, c'est plutôt pour ses petites fesses. Dermatologique, bon bref, c'est pour les bébés. Et elle aime bien utiliser ça aux toilettes. Et moi, je commence à apprécier ce genre de choses, mais pas trop non plus. Emmental français, râpé, comme ça. Ça, c'est pour faire en cube dans les salades ou comme ça à l'apéro. J'aime bien. J'ai pris un chou-fleur. Alors, mademoiselle Zaïs Palodès déteste ça. C'est ce qu'elle dit. Moi, je vais lui faire mon chou-fleur gratiné. Elle va kiffer de ouf parce que ma béchamel, elle défonce. C'est comme ça, un petit chou-fleur. Ah, franchement, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'ils ont. Bref, j'ai voulu un chou-fleur, j'ai pas pris le plus gros ni le plus petit. Je ferai mon chou-fleur gratiné. Moi, je sais que j'adore ça, donc je pourrais manger tout seul si elle n'en mange pas. Mais je lui ai dit, tu goûteras quand même. Elle s'est pris une petite bière comme ça parce que c'est une petite dive. C'est parce qu'elle est rose en fait, hein, sinon on l'aurait pas pris. Bière blanche à la framboise et autres arômes. Donc les autres, on dira pas c'est quoi, tu vois, mais c'est à la framboise principalement. Ça c'était 1€ et quelques, bref, bon c'est rose, hein, c'est pour ça qu'elle l'a pris, c'est tout. On a pris ça parce que c'était en promo, je crois que c'était 60 centimes le deuxième. Boursin, salade et apéritif. Ah bah c'est bien, ça fera pour mes salades aussi, mais bon ça sera plus pour l'apéro, je vous rassure. Aïe et fines herbes, comme ça. Et noisettes et trois noix, il existait aux figues aussi je crois et autres, mais j'aimais pas trop donc j'ai pris ceux que j'aimais. J'ai pris 2 oignons comme ça. Alors à la base je suis pas du tout fan des oignons, j'aime pas du tout ça, elle non plus. Mais quand c'est moi qui les cuisine, ça passe. Donc du coup j'ai pris 2 oignons pour faire mes préparations, parce que là je vais recommencer à prendre la cuisine, tu vois. Ça fait un mois j'ai ça, je cuisine toujours pas. Il était temps. J'ai pris aussi du coup des échalotes, j'en ai pris 2 comme ça, parce que j'utilise pas souvent, donc je préfère prendre partie de dose. Elle s'est pris ses conneries de gourde. Je vois, elle va me prendre des fruits de chou, je vais la démonter. Les Jaffun comme ça, tropical, elle aime bien parce que c'est une gamine, donc elle aime bien les gourdasses, tu vois. J'ai repris du pain de mie parce que j'ai tout mangé en mangeant des croque-monsieur. Pour le petit coin et salle de bain, du désodorisant fleur de vanille, c'était en promotion à l'entrée, donc du coup j'ai dit on prend. C'est pas trop cher, je crois que c'était 2,35€ si je me souviens bien. Elle a pris du Sprite comme ça parce que c'est sa nouvelle lubie en ce moment, elle aime le Sprite. C'est l'audace pour l'audace, pas chercher à les envies. Alors on a pris ça. Alors là franchement on a fait les obèses, hein. En fait il y avait ça dans le magasin, on n'a pas compris c'était quoi, on sait même pas dire c'est quoi. 6 big dots longs. Des doigts longs, il y avait. Alors c'est des doigts longs. Alors bon, on va dire c'est des gros doigts, hein. Alors en fait c'est fat, hein, je vous dis franchement c'est hyper fat. C'était 3,80€, je crois qu'il y en a 6 dedans. On en a déjà mangé 1,5. Parce qu'on avait faim en fait en allant au magasin. Et en fait c'est des genres de beignets avec du Nutella à l'intérieur, entouré de chocolat. Je vous conseille pas trop parce que ça fait mal aux dents. Dès que tu manges ça, t'as toutes tes caries qui se réveillent. Bref, je te conseille pas trop, mais franchement c'est pas mal. En promotion, toujours, il y avait Mighty comme ça. Alors on a fait plein de boissons parce que je pense que c'est pareil pour vous. Quand il fait chaud comme ça, tu fais que boire, que boire, que boire.
L'eau, vous savez bien que c'est pas mon meilleur pote, donc du coup, on prend des boissons comme ça, tu vois. Donc là, il y avait une promotion, je crois que c'était 68 centimes la deuxième. Donc, thé Mighty Menthe et Mighty Framboise. Ça, je les connais toutes par cœur, j'aime trop. Mais il y a un moment, j'avais arrêté parce que j'en buvais trop. Et là, ça y est, j'en ai envie. Et menthe, c'est tellement bon quand c'est frais en gâteau. Alors, franchement, dites-moi en commentaire si vous trouvez qu'on a acheté beaucoup de gâteaux. Nous, on trouve pas. Donc après, chacun sa vision des choses, hein. J'ai repris ça, mes gâteaux, je dis tout en AS, mais j'aime trop, c'est trop bon, les Balcony Waffles. Elle s'est pris des petits savanes comme ça, chocolat papy brossard. Et je me suis repris encore des Balcony comme ça, parce que ça j'aime trop, et le paquet il me fait une soirée, donc il faut bien que j'en prenne un, tu vois. J'ai repris du lait, comme ça, en petite bouteille, moi j'aime bien acheter que petite bouteille, donc. En surgelé, bon on a pas pris beaucoup de trucs, pourtant maintenant ça y est, on a notre nouveau frigo. Allez, tiroir congelé et tout, bref, on a combiné, je vous laisserai aller voir dans mon vlog. On a pris ça, paella espagnole, paella royale. C'est pas ouf, mais moi je sais que j'aime bien ce genre de bêtises quand j'ai pas envie de faire à manger. Donc elle aussi, donc on a pris ça. On a pris ça parce que ça aussi on aime bien. Des pommes de terre, la sarladaise. Bon, on va pas les manger dessus, je pense. Ça c'est quand un jour on a vraiment la flemme ou qu'il fera un peu plus frais parce que ça c'est quand même fat. Pommes de terre, graisse de canard, persil et ail origine France. Ça c'est pas trop cher, je crois que c'est 2,04€ le paquet et c'est grave bon avec une viande rouge ou autre. On a repris du beurre comme ça, format spécial 600 grammes, plante à faim. Là il y a de quoi faire parce qu'on le passe assez vite en fin de compte. J'ai pris du persil finement ciselé comme ça, j'aime bien acheter en petite boîte congelée, je le mets au congèle et quand j'en ai besoin je le sors parce que le persil tu vois j'aime bien l'acheter aussi. Faudrait que je l'achète et que je le hache et que je le mette au congèle, ça serait pas con tu vois. Mais ça c'est pratique et c'est facile à ranger. Peut-être quand j'aurai fini celui-ci j'achèterai du persil frais, ça revient moins cher en fin de compte. Et de le hacher et le remettre dans ça parce que ça c'est pratique quand même dans le congèle, ça en fout pas partout. Et pour finir on a pris des grignotes de poulet, je vous avais dit que c'était grignotine. Grignotte de poulet, cette fois d'après classique. Bon, il n'y avait pas de promo, mais comme on aime bien, on l'a pris. Et elle s'est pris un petit bleu Bresse bleu, comme ça. Le véritable, ça, elle aime bien. C'est un bleu assez fondant. Hier, on avait pris un pack d'eau de 6 bouteilles et Volvic fraise, parce que ça, c'est trop bon. Il y avait 20 centimes de réduction, donc j'en ai pris une. Mais j'aurais dû prendre plusieurs, mais c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à commenter pour donner vos retours. Moi, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une vidéo. Ciao!